Wesh de LOL. Il y a 9 challengers dans la game. Et le seul qui est pas challenger, il a 980 LP. Il est quasiment chel. Et j'ai Donatello. Ah, mon ADC est autofill. Mon support est autofill, pardon. Mon support est autofill et eux, ils n'ont pas d'autofill. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mastery Lock sur Blitzcrank. C'est dommage. La game aurait pu être trop bien. Fallait juste trouver un support. Tu me mettais 5 minutes de temps de cul pour me trouver un support. La game aurait été incroyable. Mais là, du coup, j'ai un autofill. Donc la game est déréglée déjà. C'est fine, c'est winnable. Mon top c'est Mainter. J'ai Mainter, Supa, Wesh de LOL, je sais pas c'est qui Wesh de LOL. Allez Burping Bernie. On l'a vu. On l'a vu comment? Ok. J'ai un peu envie de pas vers la bot lane. Après la top lane c'est quand même Jax contre Aatrox quoi. Non, je pense que je suis un peu obligé de pas bot. En fait je pense que la bot lane n'est pas jouable s'il passe derrière. Je joue de toute façon, si je joue là où est Viego, je devrais gagner. En plus, on a juste un meilleur duel que lui. Si je shield le stun. En plus, j'ai la prio mid normalement. Burping Bernie. Ah mais il peut pas mourir, il a un flash et tout. Être là. Ah, il troll la parisette là. C'est de la merde ce qu'il fait lui hein. C'est tellement nul. Oh là, le play est merguez. Oh là là. Autofill diff. Il a flash pour ça en plus hein. Derrière, on peut peut-être jouer hein. Oh,
Oh, le Fidius il est là, frère. Bon, mon ADC est bien du coup. Il vient de level up, ça va. On avance sur la tempo là. Ok, j'ai le bot diff à mon avantage, mais en fait j'ai l'ADC diff mais pas la sub diff. Désolé mon pote, mais je fais vraiment pas top là. Et lui, il achète des pinks, hein. Il a acheté deux pinks même. Hérald, ça va faire ça. Il est en train de faire ça. Ok, là il va open topside. Je vais pas me dire c'est quoi les summoners topside. Ok, on voit Rakan sur la map. Oh, il ultime maintenant. Si j'ultime maintenant, on n'aura pas le Herald. Plus farmer, choper de l'XP pour le Herald, on verra après. Oh, et Viego là. Ah, il est là. Viego joue dans sa jungle. Oh, il m'a fait peur. J'ai mal utilisé mon fear. J'aurais peut-être dû le garder pour le Viego. Genre pas l'utiliser pour le Aphelios, c'est le garder pour le Viego.
Sada a pris un shotgun sur moi, ça c'est pas ouf. Il est botside à coup sûr là. Hein. Ouais, il est en train de faire ça. Ok, faire une bonne paire de tabis. Faut qu'on joue le Drake, hein. Non, ils veulent pas jouer le Drake. Ok. C'est wardé là-dedans, hein. On le sait. D'avoir la boss qui gagne, no joke. Genre je suis là, on dirait que je suis en train de son pinsas, mais non, je suis juste la boss qui gagne. Bon, franchement, mon autofill, pas dégueu. Après, en vrai, je fais une bonne game, hein. Je fais une bonne game quand même. Pour le Perlinsas là. Perlinsas, je lui mets une petite branlée quand même. Hein. Voilà, je suis un peu off tempo, je vais rester. Pixel ce mec, merci. Ok, c'est de la merde. Allons-nous-en. Et des shields! Oh my bad, c'était de la merde, j'aurais dû reculer. My B. Merci à l'élève Romulus. Romulus. Petit promo à la finale des Worlds. T1, hein, j'espère en tout cas que T1 va gagner. Je serai pour T1. Thank you.
Bon, faut qu'on fasse gaffe, cette game, il ne faut pas la jeter. Oh, il y a un big bot side à prendre là. Je vais prendre le carap. Ils vont pas s'attendre à ce que je sois là normalement. Ah, Diego a deux items du coup. Hein. Je pense. En fait, je suis pas en bon tempo sur la map là, mais. C'est ça. Peut-être que c'est Yalia. Ok. Your team has destroyed a turret. Drexoon, Stinkers. Donc tu as fait le bon tempo. Bah, en gros, être là quand mes alliés veulent jouer aggro quoi. Tu vois quand mes alliés ils sont là et là. Le tempo dans lequel je dois être, c'est en train de jouer genre là, tu vois, ou jouer haut sur la map. Pas être à la base. Oh, tu vois, lui, il est un peu off tempo. Après, il s'est fait cancel sans reset, c'est normal. Là, même si j'apporte rien sur l'action, entre guillemets, bah, je cover d'un potentiel go-in de Viggo. Par contre, merci Lava Booze pour le resub. Une pink là-dedans. Il s'en sort, c'est big. Hein. Viggo il est un peu feed et en même temps je lui ai donné des shutdowns de baiser. Je lui ai donné des big shutdowns. Là c'est un bon timing par exemple pour counter jungle. Ah, c'est bien joué. Je vais y régler son compte, vous en faites pas la team. Ok, j'aurais pas le temps. Les pixels par contre. Et bien GG. C'était une bonne game. Sans que Nocturne c'est fort aussi. Comme compo vu qu'il voit pas le grab. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'y pense pas mais c'est vrai que c'est vrai que ça fit bien ensemble. Tu as ton max elo, ouais. Je viens de battre mon max elo d'une vingtaine de points.
Voici un bon vieux golem pour le 22e mois d'abonnement. Le bon vieux Lemgo. Bah bien joué à Donatello, hein. Honor Patoche. C'est qui Patoche? Ah si, Naota 85. 1041 LP, youhou! En vrai, c'était une bonne IM. Pour le coup, j'étais contre un joueur très très fort. L'Insas, il est vraiment très fortiche. Et je pense que j'ai bien joué la game. Après, c'était facile. J'étais bien enable par mes alliés, quoi.